Alors, salam alaikum, Tahi Mounir. Vous êtes entraîneur de l'ASPC ou de l'ASPTT? L'ASAPC. L'ASAPC. Donc, parce que sur le forum Basket Khamis, on a beaucoup entendu Rakfi, PTT ou Taslobik PTT. Est-ce que tu peux nous éclaircir sur ce point? Est-ce que réellement ils vous ont contacté l'ASPTT? Bon, on peut dire que je pense que c'est de l'intox un peu. C'est vrai, j'étais contacté par Yazid et Ibrahim pour que je prenne les jeunes catégories. Et il m'a dit en même temps, s'il y a un problème en senior, je vais te placer en senior dame. Mais officiellement, j'étais contacté à la SPTT pour prendre les jeunes de catégorie. Pour les seniors dames, ce n'était pas officiel à 100%. Mais j'ai eu des échos à gauche et à droite. Mais rien n'est officiel. Mais par Yazid Ibrahim, il m'a dit, je prends les petites catégories. En cas où j'ai besoin d'un entraîneur en senior dame, je te place en senior dame. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à vous êtes à la SPC. Jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours à la SPC. Et vous êtes bien à la SPC, ça vous plaît? Alhamdoulilah, bon, c'est un groupe très perfectif. Je travaille. C'est un club qui est structuré, c'est un club étatique. J'ai les moyens à ma disposition. Et on travaille, on verra, Inch'Allah. Dans ce cas, vous pensez à changer de club? Pour le moment, non. Pour même, le moment, non. Même si un autre club vous contacte? Je vous pose une question, moi. On sait jamais, je ne sais pas. Allez, ben, je sais pas. Donc, c'est possible que si un autre club ne cite pas de nom, il peut y avoir un SPTT comme il peut y avoir un autre peut-être club. Peut-être je vais te dire une chose, peut-être c'est un peu... Si je suis PDG dans une société, je ne pourrais pas être contacté pour être plantant dans une autre société. Alors, je suis contacté pour être plus, là, Iberg, marahba, il est à moi, ma kalla. Ok, c'est bien répondu, merci Mounir Mftahi. Et quels sont les objectifs des responsables de l'ASPC? Bon, pour le moment, les responsables de l'ASPC m'ont confié un groupe où je dois travailler avec pour les rendre en plus, pour instaurer une discipline, premièrement, une discipline pour avoir une discipline, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une culture pour avoir des résultats. Mais pour le moment, on est en train de travailler pour avoir des résultats. Mais notre objectif, de toute façon, c'est de jouer les premières. Voilà. De toute façon, bon, reste à JSP. Et un gros morceau. Un gros morceau. Vous oubliez bien sûr la SPTT aussi. C'est les deux gros morceaux et les autres bien sûr, c'est CRHD. On verra court année, on va gérer. C'est CRHD aussi qui est. CRHD. De toute façon, une chose que je pourrais dire, chez les filles, rien n'est officiel. Chez les filles, on prévoit rien. C'est-à-dire chez les filles, on travaille. Ce qu'il arrive, مرحبا وشرح الله يسهل. Donc en quelque sorte on peut dire que la SPC c'est un programme à long terme. Étant donné qu'ils veulent, c'est-à-dire revoir leur politique, d'instaurer une certaine discipline. Bon, on a tracé un objectif à court terme et un objectif à long terme. L'objectif à court terme c'est de faire un groupe. C'est un groupe solide, surtout sur le plan mental. Bien sûr techniquement aussi, sur le plan tactique et ainsi de suite. Et au cours des années suivantes, Inch'Allah, on va jouer beaucoup plus haut. Voilà. Inch'Allah, Rabbi Oufak. Inch'Allah, Amin. Allah Yahafdak. Et je vous laisse conclure à votre aise. Oui. Vous pouvez passer n'importe quel message et dire ce que vous voulez en conclusion. Merci. Bon, je m'attendais à cette bon, je voudrais passer un message à la tutelle, qui est la fédération, pour leur dire qu'il faut qu'ils prennent en considération aussi les petites catégories, surtout chez les filles. Parce que les filles, d'après le plan d'action de la fédération, on a lu le plan d'action FAP Khamis. On a lu le plan d'action, mais il n'y a pas de programme pour les filles. Je me suis posé la question et je pose la question pour la tutelle de nous répondre. Est-ce qu'il y a un programme pour les filles ou non? Parce que la Tunisie a été qualifiée au championnat d'Afrique parce qu'il y avait le forfait de l'équipe nationale algérienne. Parce que sinon, on aurait pu jouer le tour qualificatif qui s'est déroulé en Tunisie. Et voilà. Et ben, je voudrais dire à la fédération, les responsables de la fédération, c'est Itallah le Bnet. Parce que le Bnet, je crois qu'ils sont toujours mis à l'écart. Voilà. Dans ce cas, on peut enchaîner. C'est-à-dire, on peut dire que la fédération fait déjà un boulot d'installer les sélectionneurs à tous les niveaux, en garçons et en filles. Oui, oui. Mais on peut dire qu'en garçons, déjà, ils ont commencé les travaux, mais en filles. Non, peut-être je vais entrer dans les détails plus. La préparation qui a été faite pour les moins de 17 ans, garçons. Les moins de 16 ans plutôt. Les U16 plutôt. Les U16 garçons, ils avaient un programme d'entraînement, un programme de préparation
très très par rapport aux filles riches. Les filles, elles ont passé que 15 jours de stage à un groupe laïque et elles sont parties jouer le championnat par rapport aux 16 garçons qui se sont déplacés en Serbie. Ils ont un programme bien riche par rapport aux filles. Alors il faut pas qu'ils jugent sur le niveau des filles parce qu'il n'y a pas vraiment un travail qui se fait. On peut toujours enchaîner. Oui. Comme garçon déjà, oui. Il y a toujours un suivi. Un suivi des U16, oui. Et pour les filles, depuis qu'ils sont rentrés du championnat d'Afrique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà, oui, je sais. Je parle de ça, de toute façon. Je pourrais dire que j'ai autant. Mais pour ne pas polémiquer les choses, je préfère me taire chouïa. Le championnat va débuter le 23 octobre. Je souhaite bon courage, bon sens pour toutes les équipes féminines. En général et en particulier l'AS APC, Inch'Allah on sera en force. Inch'Allah. Et pour les Camusiens, soyez bien gentils, Fab Camus. Allez, à l'affaire, comme ça.